Député Henrian, M. Scholzer Chancy, et ses juges instructeurs Duniel ou bien Al Duniel Dimanche, qui était by Lord Omaré, ancien député. Dans le début de soirée, je suis allé à la nouvelle depuis l'après-midi. Mais dans le début de soirée, les nouvelles là t'as diffusées sur un ensemble de plateformes. C'était quand même un coup de tonnerre. Pour la simple et bonne raison, on a parlé de Scholzer Chancy, qui est élu pratiquement trois fois comme député NRI. Scholzer Chancy, qui est dirigé Chambre des députés à deux reprises. Scholzer Chancy, homme d'affaires très connu ou bien homme d'affaires réussi, qui a dirigé une plus grosse infrastructure qui a rapport à hôtel dans le département de la Tibonite, qui a une firme de construction et qui a établi quartier général Lina Henry depuis quelques temps, qui a dirigé un parti politique qui est l'AC, Alliance pour une société sans exclusion. Donc quand même, en plus le monde a espéré à tout bagaille, sauf arrestation, Scholzer Chancy pendant hier. Si bien que, il y a des gens qui posent des questions pour dire, oh, qui le Scholzer est allé devant le juge là, dès qu'elle allait déjà, dès qu'elle te répond à la question juge là déjà. Parce qu'invitation ça, guerrier, à notre connaissance, n'est pas public. Ouais. Depuis Léophine confirmé nouvelle arrestation ça, guerrier de seul, réaction pas suspendue. Dans la commune Henry, nous sommes sous deux pieds militaires. Parce que son nègre qui est très populaire dans la zone, son nègre est présenté comme tout le monde. Son nèg moun yo présenté l'autre bord comme un progressiste, comme si on nèg qui a essayé au-delà de fonction député là pour te garder comment te développer commune ça nan niveau ou Tibonite là et à quelques 35 minutes de Gonaïve. Qui ça nous doit kembe sous arrestation Scholzer Chancy, y a comment t'as dû comprendre arrestation ça y a rien de seul. Depuis fin année, y a un magistrat qui est Al Duniel Dimanche. Nous sommes venus là, dans début année 2024 là, me dit si bon mon gars mène dans la République semaine ça, il est Al Duniel Dimanche. Pour qui ça? Les doyens ont distribué ensemble dossier qui rapport à ULCCO. Est-ce que c'est par malheur? Est-ce que c'est un coup de chance? Ou bien est-ce que c'était voulu? Dossier ULCCO a tombé en bas main. Duniel Dimanche. Et depuis lors, dans le cas d'instruction, le magistrat n'a pas suspendu et pas témoin, surprendre le monde si vous voulez, soit avec série de mandats de comparution, soit avec mandat d'amener, soit avec mandat d'arrêt. N'ap songe, juge l'a invité plus qu'une trentaine, je dirais même plus qu'une quarantaine de monde pour venir répondre à une question dans le cas de dossier qui vient pour être avec détournement matériel au niveau du CNE, Centre National d'Équipement. En guise de rappel, qui s'abagaille à hier, madame, monsieur, ULCC produit un rapport partiel, moins bien précisé, partiel,
Ça veut dire, dans le travail, ça, quand on deuxième partie, quand on troisième partie, on connaît. Quand on cinquième tout, quatrième tout. Eh bien, dans le rapport partiel, ça, l'ULCC dit bon ensemble de matériel, l'État, qui sait bien CNE, tout au moins CNE a géré pour l'État, l'État dépense gros l'argent, eh bien, matériel, ça a eu disparaître tant que vous êtes clair. Des matériels, il y a le jeune qui a abandonné nos séries de espaces à travers les 10 départements géographiques du pays. Bon série de matériel qui n'a même des particuliers. Bon série de matériel même qui en mauvais état. Il y a plusieurs noms. Anciens hauts fonctionnaires, anciens hauts dignitaires qui cité dans quatre dossiers ça comme monde qui t'ai fait d'appuyant hein, sur ensemble de matériel l'état particulièrement CNE. Rapport ça, à joindre la justice, puisque nous songeons, l'ULCC te transmettre près d'une dizaine de rapports ont ça, bah autorité judiciaire. Et doyen, j'ai tout le monde a demandé ça, faire diligence, les distribuer dossier ça yo, et je ne dis pas, nous par contre, si c'est pour un bien, si c'est pour un mal, dossier CNEA à joindre magistrat, à Dunel dimanche. Et depuis Léa, c'est Ardunel dimanche lié tonton. Pas gagné deux superstars dans la République ces derniers jours. Même Ariel Henry, pas superstar, pas c'est Ardunel, ce Benzer. Et pas étonné, dans le jour qu'il y a venu là, surtout des petits monde qui fait, en plus, il y a eu Bidenson, il y a eu tout, Dunelson tout. Parce qu'on a ici, mais ça, depuis que vous avez là, soit non fil ou bien non niveau, vous tout font petit, vous avez visité tout le monde. Pas étonnant, dans le jour où vous avez venu là, vous avez du niel là, on voit du niel son, du niel l'eau, même si vous avez Biden Tia, Biden son. Pour nous retourner sur Kacholzer, cher Sia, madame, monsieur, pour l'histoire et pour la vérité, non, Kacholzer, cher Sia, pas écrit pièce côté dans rapport ULCCA. Mais j'aime toujours dire dans l'espace ça, les juges là a instruit dossier. C'est vrai que l'a instruit à partir de ça qui dit dans rapport, mais elle pas obligé esclave. Parce que tout au long de l'instruction, il ca joindre de l'autre piste qui mène sur de l'autre terrain. Qu'on s'attend qu'il y a des noms qui doivent apparaître tout. Nous avons expliqué ça très bien dans le dossier CAS là. Donc, le juge l'attendait des gens, puisque ce n'est pas tout le monde qui a fait rondomon dans le monde littéraire. Le juge l'a mené des enquêtes de proximité. Le juge l'a parlé avec de l'autre monde qui n'a pas rien pour un dossier. Mais il estime qu'il y a des informations yo kabali li possible il y a des moun qui tout naturellement ou bien automatiquement vini sous table devant juge là et puis juge là même dit bon tant de nom moi non ça paraît faut mal chercher qu'on est dans qui contexte hein, de qui manière de qui manigance c'est ça que faut ouais généralement laisse à fait. Même si vous n'êtes pas inculpé ou bien pas concerné directement par le dossier, juge fait ce que de droit, vous invite à titre de témoin. C'est ainsi que le 8 janvier 2024, le juge instructeur Aldunel Dimanche tendait dans le bureau ancien député Henrien Scholzer Chancy à titre de témoin. Bon, son ancien député, son ancien président chambre des députés, c'est ancien ami
ou ancien président de la République. Donc, juge la Renoir Gomba à la chercher. Il pensait que M. Chancy capable d'aider. Même Jean-Tou, le même jour, il détendait ancien Premier ministre Claude Joseph. Scholzer répond à l'invitation juge là, mais il faut que nous disions, M. réuni avec l'équipe politique pour garder qui comportement il doit gagner par rapport à cette invitation. M. Scholzer Chancy réuni avocat li, il a préparé l'audition. Et lundi matin, lundi 8 janvier 2024, Scholzer Chancy, accompagné avocat, a répondu question juge à Daniel Dimanche sur route Fréan à Pétionville. Après question, Scholzer Chancy allait. Dans mardi, c'était le jour suivant, Scholzer Chancy qui part Stab Port-au-Prince ou bien qui part habité Port-au-Prince, était profité de passager dans la capitale là pour faire une tournée médiatique. On a parlé quand même d'un chef de parti. Et nous autres, ici, nous avons gagné le privilège pour nous recevoir ancien président chef de député à l'espace ça. Si nous avons une bonne mémoire, dans toute question, nous avons eu la chance de poser M. Scholzer Chancy. Il y a deux questions fondamentalement. Nous avons cherché une réponse pour eux dans la bouche M. Chancy. Première question, moi t'ai dit ancien député, est-ce que li estime li bay juge là des informations qui permettent que li édifier? Nous songer ancien député t'ai dit li pas contre si juge là édifier, cependant lui-même li répond à toute question que juge là t'ai posé. Une deuxième question m'a posé ancien DPA, moi t'ai dit est-ce que li a toujours mettez le disponible pour n'importe le juge là t'a relé le cas dossier ça. Li t'ai dit oui puisque il va gagner pour louer avec ça reprocher lui puisque il c'est un citoyen haïtien, il est prêt pour collaborer avec la justice. Donc là, toujours disposé, disponible, n'importe le juge la relève dans quatre dossiers. Est-ce que Johnny Ferdinand, t'es au courant, yo t'a pral inculpé Scholzer Chancy jusqu'à ordonner arrestation? M'a fait foulaï sa matin, m'a dit non. Je n'étais pas au courant. Maintenant, est-ce que m'te connais des possibilités pour juge là t'es invité Scholzer Chancy dans Karel yon l'autre fois? Oui. M'te croué dans ça et ceci dur comme fer. Chose dite, chose faite. Deux semaines après, juge là invité Scholzer Chancy dans Karel encore une fois dans quatre dossiers ça. Si nous regardons bien, comparativement à la première invitation, ouais, invitation ça n'a pas fait trop de bruit. Vos explications. Comme Neg Grégory Lubé qui répond à une question au juge déjà. En général, l'oral est devant le juge instructeur pour la première fois dans quatre dossiers. Je crois qu'elle a griffé avec elle, par contre, si je me trompe, qui prend un ensemble d'informations qui sont relatives avec vous. Coordonnées, au nom, prénom, numéro de téléphone, etc. qui permettent que n'importe le besoin encore, il n'y a pas forcément besoin de faire briller ça, il y a juste contact directement, etc. Et pour venir, je suppose que dans le cas de Scholzer Chancy, il y a son bail comme ça, qui fait effectivement Scholzer Chancy te recevoir en deuxième invitation dans le cas de dossier ça. Qui c'est hier lundi 22 janvier 2024 là. Juge là,
poser Scholzer Chancy ou ensemble de l'autre question. Et dans la déduction juge là, selon nos efforts, je l'ai estimé que bagay qui pas fin trop clair. Et à la fin de l'audition, juge l'a mandé pour y'all mettre Scholzer Chancy pénitencier national. Question. Est-ce que Scholzer Chancy t'es allé pénitencier ou bien est-ce que Scholzer Chancy li nan commissariat Pétionville? Information. Scholzer Chancy passé première nuit li hier soir dans le commissariat Pétionville. Cependant, je l'ai pas voué le commissariat Pétionville. Je l'ai voué pour Yomenel pénitencier Zach Forer. On me dit à ta cour, métronome de parler de pénitencier. Dans le premier temps, parce qu'effectivement, ordre de dépôt, c'est pour pénitencier. Je vais venir sur ça un peu plus tard pour me dire non, qui ça qui fait Scholzer Chancy. Pas t'aller pénitencier hier soir, tout au moins, c'est pourquoi aller pénitencier s'il veut aller jusqu'à minute n'a pas parlé là. Nous mettons un petit globe à côté, non. Eh bien, selon information nous disposée, juge là, t'as estimé que M. Scholzer Chancy t'a induit en erreur dans la première réponse qui était Bayo. Bah, je dit, bah, menti, bah, je dit ça. C'est comme si réponse M. Chancy, pas gagné pour eux avec ça. Je là t'as venu gagner mais après. On va laisser garder ou bien analyser qui sa question t'a carré. Par rapport à données qui viennent jouer de moi, guerrier de seul. Un. Il semblerait que le juge l'a demandé député Scholzer Chancy qu'il a Paul Guéancien, par exemple. Député a dit OK. Je l'ai semblé demander DPA est-ce que le monde dans le CNE, le monde de facilité rentrer dans le CNE, etc. DPA semble dire négatif. Je l'ai semblé demander DPA est-ce que le matériel CNE dans le CNE qui a fait travail privé, etc. DPA dit non. Entre autres questions, hein. Après ça, le juge l'a dit DPA, merci beaucoup. Si bon prochaine fois, on a préparé. Maintenant, après audition, ça c'est information, ben non. Après audition, Scholzer Chancy, juge l'a al parlé avec de l'autre monde. Et parmi moun juge la parlé avec yon quatre dossiers, gagnent des actuels employés du CNE, mais gagnent tout des anciens employés du CNE. Et nan réponse ou bien nan sa moun sa yo di juge al Duniel la, yo pas joué en faveur de l'ancien député Scholzer Chancy. Qui vient faire que nous autres, les NAPC appréciés, nous concluent, c'est à sous base ça que juge Arduniel t'a estimé que soit DPA dans la première audition a tabalmenti dans la réponse qui était une série de questions, ou bien DPA pour un réseau, bien pour l'autre, soit de bonne foi ou bien de mauvaise foi, t'as réduit dans l'erreur. Maintenant, comprenez bien, oui. Qui ça, moun sa yo, juge la interroge, dans quatre dossiers, que moi-même, moi, dit pour la plupart, c'est des anciens employés du CNE, et qui a quelques là-dedans, tout, qui travaillent dans le CNE toujours, yo ta ka dit juge la, pour juge la, estimer que DP Scholzer t'a balmati. On faut retourner en 2017, madame, monsieur. Tout le monde connaît sous administration René Garcia Préval, sous présidence René Préval, qui sa CNE te représente pour le pays.
CNE. Te fin ouais mort, CNE. A percé route, CNE gen gros matériel. Dernier cri, bon Jude Célestin tout puissant dans tête CNE. En pile belle mesdames, intégré CNE. CNE a travail. Gros budget, gros l'argent passé dans CNE. Mais après Prival, ou bien après l'air Prival, CNE te vin pas représenté, ça te représenté encore. Qui vin fait, nous te vin gagner un CNE qui te vin dans l'état très critique. Le Jovenel Moïse vin prend pouvoir en 2017, en février 2017, yon a programme Jovenel de Vinavel. Et fait de l'échoua le bataille, c'est caravane changement. Et pour Jovenel Moïse, il y a une institution qui doit jouer un rôle de premier plan dans le cadre du programme Salle de Centre National d'Équipement. C'est ça qui fait situation CNE dans l'époque-là, tu es préoccupé au plus haut point l'ancien président Jovenel Moïse. Si bien que, en avril 2017, Jovenel Moïse, par arrêté présidentiel, nommé une commission dans tête CNE. Parce que CNE t'a fait face à une situation, t'a fait face à une situation extrêmement difficile. Par exemple, CNE était presque dysfonctionnel, pas fonctionné du tout. Sous l'administration CNE, à l'époque, ça, c'est ton administration tête en bas. Ça, blanc français, t'as gardé une administration désorganisée. Quand pile employé CNE à l'époque, là, ils n'ont pas touché. Ils n'ont pas rendu si on l'a pour le 2, si on l'a pour le 3. T'as eu un mouvement qui était fait, ils ont bloqué local CNE dans la Cité Soleil. Matériel CNE est éparpillé un peu partout à travers le pays. Bon paquet l'autre matériel qui t'en parle. Donc c'est ton CNE, c'est non seulement que tu existé. Mais en réalité, ce n'est pas ton institution qui a fonctionné. Donc Jovenel Moïse nommé en commission qui était relée Corée. Commission de renforcement et de restructuration du CNE. Commission ça, madame, monsieur, t'es gain la dalle. Comme président, Emmanuel Olivier. Comme membre, Quinton Louis et Michel Josselin. Emmanuel Olivier, jeune Flandeur, jeune petit garçon, qui était dans le début trentaine à l'époque. Qui est même c'est architecte, qui étudie architecture dans l'université Kiskeya, vini président commission ça, qui t'a gagné, comme son nom l'indique, pour restructurer CNE. Il y a mettre moyens à la disposition, font inventaire, faire état des lieux, etc., présenter la République, bon président de la République là, et rapport, s'il y a l'argent pour mettre dans CNE, pour permettre que mai 2017, pour qu'avant le changement lui-même de lancer. M'a bon menti, commission à pied d'œuvre, en pile travail à faire, etc. Maintenant, qui est-ce qui Emmanuel Olivier? Emmanuel Olivier, madame, monsieur, selon nos infos, c'est le neveu de Scholzer Chassis. Information allait plus loin pour faire quoi que c'est à Scholzer Chassis qui utilisait Saltegué comme statut à l'époque là, député, président Cham, ami président de la République, pour te recommander Emmanuel Olivier, madame, monsieur. Bon, en réalité, tu dois dire, ça n'a pas de problème si bon monde qui recommande mon job. On dit que tu as des compétences pour faire ce job là. On dit effectivement c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il n'y a pas de problème.
surtout information nous disposer c'est Olivier Emmanuel que n'a parlé là madame monsieur c'est pas pendant le vienne dans commission restructuration hein li vienne dans CNE il était déjà de plusieurs années dans institution hein on quoi était dans institution si on quoi article comment il s'appelle encore mon ami oui regardez-moi lié Juno Jean-Baptiste écrit à l'époque était dans le Nouvelliste qui t'a parlé de commission en article. Donc monsieur était dans institution depuis pratiquement 2009-2010 on va dire comme ça. Donc si monsieur à mon sens t'es une capacité t'es des compétences requises pour être dans place ça, il pas t'a problème. Mais le fait que Gonia là c'est neveu ancien député a il voulait dire ça il voulait dire. Mais bon l'autre bagaille tout nous doit tenir compte de lui. C'est la pratique. Comment ça fait la carno? Le bagage doit être normatif. En général, les députés, m'a parlé dans cas si effectivement c'est lui-même qui te recommande, m'a parlé dans cas. Si c'est effectivement c'est lui qui te recommande, moi pas au courant. Mais information fait quoi ça? Comment ça y est la carno? Laissons ancien député, laissons pas ancien, laissons député, un sénateur qui recommande un monde un job, c'est pour cadeau le faire. Nous connaissons très bien, nous ne pouvons pas être nous mentir. Laissons députés, un sénateur, ou bien un proche président qui recommande un monde en fonction de l'administration publique là. Je ne sais pas quoi c'est parce que nous avons un bel garçon, une belle femme, je ne sais pas. Je ne sais pas tout. Johnny Ferdinand, pendant 9 ans, j'ai fait ma professeur comme journaliste, j'ai exercé ce métier ça. Moi au courant gen de sénateur gen de député qui recommande une série de directeurs général non série ou bien une série de moun non série de direction générale ou bien une série de moun comme ministre y a Dieu seul ou pas mandé me compte sénateur ça yo député ça yo exiger fòk moun sa yo ba au cob presque chaque mois toi comment on va le faire cob là. Ah, vous avez raison, vous n'avez pas qu'à être occupé de postes qui n'ont couru. C'est dans satisfaire boss, patron politique. Je ne dis pas que c'est le cas, non, pour Charles Echansi. D'ailleurs, nous avons dit qu'il n'y a pas de problème que le TK recommande un monde dans le job. Et ça ne veut pas dire que le recommande, il est obligé de contrôler. Même de dire le fait que c'est neveu, le fait que le TK a un rapport à président, le fait que qu'on y a lassé ancien président chef de début de l'époque là n'a gagné même déjà avec Olivier donc ça veut dire même profiter pour me dire comment pratique là la gagne les anciens les députés ou les sénateurs ou même était con ou commandé mon série de job qui relation était qu'on développer mon ça yo gars sénateur me connaît guerrier qui met des nèg dans série de poste institution dans pays là qui presque a seulé nègre dit même qui monte pour le bali presque chaque mois oui qui vient faire que après passage nègre dans boîte là dans courir parce que on dit par exemple pas un budget pour ça nègre dit dégager au bal 500 000 goudon million pour chaque mois alors je dis n'importe quoi sous montant bon imaginons nègre connait là obligé faire mauvais coup mal taillé pour joindre comme ça un pour gérer tête lui mais deux pour gérer patron. C'est comme ça va la demande verte. Nous ne pouvons pas être nous mentir, non. Il est de pratique que bah, vous faites comme ça. Par contre, c'est comme 20%, 30% chaque mois. Oui. Là, il doit décider le jour. Ma foi, je veux un tel contrat dans l'État, mais. Ou bientôt, je vais mettre dans tel poste, mais. Ou bientôt, ma foi, intégrer et diplomatie, mais. Ou bientôt, je vais faire une telle institution, mais. C'est comme ils ont un job acheté dans mes nègres. Et. Majorité nèg qui était dans la législature qui passe là, notamment ces deux dernières législatures, c'est dans lunettes ça peuple là ouais. Yo. Par contre, je comprends. M'pas dit c'est tout. Quand même, on te joint des députés, des sénateurs qui t'est arrivé distingué du lot. Mais nous tout est connu ba yo, en pile là yo pas de cachette. Tout le monde connaît qui est-ce qui t'a nommé tel monde, qui est-ce qui t'a recommandé tel monde à tel niveau, etc. Oui, l'autre est bailliste. Oui, l'autre est bailliste là à un certain moment. T'as dit, mais qui est-ce qui gagne la douane, mais qui est-ce qui gagne un ministère ceci, mais qui est-ce qui a dirigé la direction générale celui-là.
Mais j'aime dire là, les nègres la mettent là dans l'espace sale, pas mettre là et parce que c'est ou puis qu'on lit ou puis bien campé, non? Quand même, on va aller attendre. Il y a un revenir sous question sur le châssis. Information dit oui, Emmanuel Olivier, époque là, c'était neveu, c'est lui qui te recommandé, etc. Donc, il y a une belle possibilité pour ta faire ça où il est, trafic d'influence. Donc, l'appréciation, donc si c'est neveu, si c'est lui qui recommandé le vrai, même si il n'est pas forcément ça, mais mon yo croit que ça te baille Charles Chancy rentrer sorti dans CNE sans problème. Mon yo pense que le fait que c'est lui même pendant période ça qui était recommandé Emmanuel Olivier comme président commission restructuration. Hein? Donc s'il dit Emmanuel Olivier attendez non, moi besoin tel matériel CNE là pour faire tel bagaille. Olivier pas ta dit non. Mais ça m'a dit là, il n'y a pas d'information. Parce que j'aime dire non. Pas forcément connaît. Est-ce que c'est lui qui t'a fait ouvrir? Mais ça que certains mondes de connaît, c'est que Emmanuel Olivier, ça n'a pas l'air. Effectivement, c'est neveu Scholzer. Et effectivement, c'est lui-même qui était président de la commission restructuration en 2017 que Jovenel Moïse était nommé par arrêté présidentiel. Par contre, c'est vrai. Donc, est-ce que c'est sous base ça. Est-ce que c'est témoignage ça yo souvle que des anciens employés du CNE ou bien des employés du CNE yo même yo fait que je l'ai estimé que ancien député a tabal menti puisqu'à aucun moment ancien député a pas ta mentionné ou bien pas ta fait état de un certain Emmanuel Olivier, qui était présidé en commission de restructuration en 2017 et qui a été recommandé probablement par Charles de la Chancy. Est-ce que c'est sous base ça? Bah, on est. L'instruction est secrète. Bah, forcément, on est ça que dit. Ça que fait. Bah, on se comprend. Mais ça intéressé de matin, hein?